Alors, nous sommes en 1959. Bernard Buffet se représente ici en rapace. Ça s'appelle Les oiseaux, le rapace, qui est littéralement en train de dévorer sa muse, qui est représentée ici dans ce corps magnifique, allongé, nu, son modèle, qui est Annabelle, qui deviendra sa muse jusqu'à la fin de sa vie. C'est un tableau de rupture. Il vient de rencontrer, il a 30 ans à peine, Bernard Buffet, il vient de rencontrer Annabelle, il vient de quitter Pierre Berger. C'est un tableau aussi de rupture de sa peinture. Il y a un avant Annabelle et un après Annabelle. C'est exactement à ce moment-là qu'une autre histoire de la peinture de Bernard Buffet va s'exprimer. Alors les critiques sont assez partagées sur cet avant et cet après. En tout cas, c'est un tableau important dans l'histoire de l'art, et c'est pour cela qu'il appartient, je crois, au musée d'art moderne de la ville de Paris, enfin je le sais même, et puis c'est le musée qui nous l'a prêté comme œuvre clé d'explication de la belle Annabelle, la muse, la femme, Vénus, et puis la bête, l'artiste, dans son avidité à représenter le réel ou son modèle. Voilà.